Bonjour. Alors pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Adrien. Je suis pratiquant de karaté. C'est mon socle. Je dirais que je suis arrivé à un certain point de ma pratique où j'ai pu raisonnablement me dire que là, j'ai acquis les bases. C'est-à-dire le premier dan, hein, concrètement. Le grade du débutant, ouais, pas du pro, comme il y en a encore beaucoup qui le pensent. Et puis, bah, passé ce palier, je me suis dit que ce serait intéressant de voir d'autres choses, voir. Comment ça se passe ailleurs. Alors forcément, quand je peux, je en parler de tout ça et quand j'essaie aussi de compléter mes connaissances avec des DVD, de la documentation en ligne, surtout. Et Internet, c'est un support vraiment incontournable aujourd'hui. Ce qui m'amène aujourd'hui, bah, à ce témoignage vis-à-vis des études martiales. Alors je sais que si vous regardez cette vidéo, ça vous a donné une réponse à la question est-ce que vous recommanderiez ces contenus? Donc je vais sauter les étapes, hein, oui. Non, mais je le recommande à 100%. Donc pour résumer, les études martiales, en fait, elles suivent une trame. Elle est simple, mais elle est efficace, hein, c'est bien structuré. Les vidéos, en fait, si vous voulez, elles sont découpées en plusieurs segments qui correspondent chacun à un sujet précis. Dans un premier temps, en fait, on vous présente le sujet avec les concepts derrière les techniques. Et ensuite, on a la mise en pratique avec les démonstrations, les exos. Super boulot. Vraiment, super boulot, c'est propre, c'est net. Donc, je trouve que les vidéos, elles ont vraiment un intérêt dans le processus d'apprentissage, hein, au niveau du potentiel du support à transmettre des connaissances par rapport à d'autres supports un peu plus classiques, entre guillemets, hein, comme un livre par exemple. Où je pense quand même qu'il manque le visuel, le mouvement. Bon, les vidéos en prime, ça peut par exemple être bah, une chance pour ceux qui n'ont pas eu l'accès, l'opportunité de participer à un stage, de pouvoir malgré tout accéder à certains contenus. C'est intéressant aussi dans le sens où c'est un support fixe, hein, on peut le voir, on peut le revoir. Et puis c'est accessible à vie, tout simplement. Une fois que vous l'avez, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Il y a beaucoup d'heures de contenu que j'ai trouvé riche, très riche. À titre personnel, moi j'aime bien revenir dessus pour reprendre des choses que j'avais vues en stage ou des contenus auxquels ben, j'ai justement pas eu accès. Très beau boulot de pédagogie, sans fioriture, hein, tous les commentaires ils sont pertinents. Et mine de rien, ben, bon, en tant qu'élève, on ne s'en rend pas nécessairement compte, hein, mais ça demande une vraie maîtrise des thèmes pour arriver à enchaîner autant de, enfin, tant de sujets avec autant de facilité avec un rythme qui est toujours constant. Il y a certains détails qui sont donnés en plus qui facilitent l'intégration des techniques ou des pistes de travail supplémentaires pour aller plus loin sur certains exos ou tout simplement pour mettre les choses dans le contexte. Hein, il y a quand même des sujets qui sont abordés, c'est la self-défense. Donc ça mérite bien une petite remise en perspective. Et puis de manière générale, il y en a pour tous les goûts, hein, pas que de la self, hein, il y en a pour le profil issu de plusieurs disciplines, hein, on atteste bah, les cours qu'ils dispensent. Ça se voit, bah, ça se voit au niveau du bagage technique, hein, de toute manière on peut pas tricher sur ça, hein, ça, on peut pas tricher. Alexandre est vraiment pédagogue. La pédagogie, ce que j'entends par là, c'est un peu la capacité à transmettre ses connaissances, hein, dans le sens. C'est à ce niveau, pour moi, ce serait assez sans faute. De ce que j'en ai vu, il est vraiment à l'aise dans cet exercice. Une bonne dose d'humour aussi. Chapeau. C'est un achat que j'ai vraiment pas regretté personnellement. Ben, je conclurai par un oui, je recommande à 100%. Voilà, je reviens au tout début. Je m'y suis retrouvé par rapport à ce que j'en attendais. Ça a été un super complément à mes connaissances. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai essayé de faire succès. Il ne me reste plus qu'à vous dire ben, bon visionnage peut-être et puis bonne pratique.